Bonjour à tous les participants qui se sont joints à nous jusqu'à maintenant. On va attendre quelques minutes supplémentaires pour permettre à tous les autres participants inscrits de se connecter. Donc, encore 2 petites minutes et on va commencer. Il nous reste encore quelques participants qui se connectent. On devrait débuter sous peu. Donc, bonjour à tous, bienvenue à tous les participants à ce webinaire pendant lequel on va discuter de la nouvelle réalité des transports en commun. Je me présente Karianne Parent, directrice du chantier Rayonnement chez Propulsion Québec, la GRAP des transports électriques et intelligents. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 experts de chez Transdev Canada, de la Société de transport de Laval et de Bombardier Transport qui vont venir nous parler des adaptations et des aménagements qu'ils ont dû faire ou qui devront être faits pour réduire les risques en temps de crise sanitaire. Donc, avant de commencer, je voudrais vous laisser savoir que ce webinaire est enregistré et sera disponible pour rediffusion sur notre site web. On vous enverra aussi un courriel de remerciement avec le lien pour vous connecter pour pouvoir le revisionner. Je vous invite aussi à prendre connaissance de l'option QR ou Q&A dans la barre latérale de votre outil Zoom pour pouvoir poser des questions à mesure que les présentations seront faites. On va animer une courte période de discussion entre chaque présentation pour vous permettre de poser vos questions au fur et à mesure.
Donc, sans plus tarder, j'invite Marie-Hélène Cloutier, vice-présidente exécutive pour la région du Québec et des Maritimes de chez Transdev Canada, à nous faire sa présentation. Voilà, ça fonctionne. Mais bon matin tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, je dirige Transdev pour le Québec avec beaucoup de fierté. Transdev, pour vous mettre en contexte, c'est un opérateur de plusieurs types d'opérations, donc urbains, interurbains, scolaires, adaptés et plusieurs autres également. Alors, ça va me faire plaisir de vous parler aujourd'hui de certaines mesures sanitaires qu'on a pris dans certaines de nos opérations. Et également, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter quelques pistes de réflexion qu'on commence déjà à avoir au sein du groupe lorsqu'on parle de reprise et de confiance des gens en temps de pandémie à titre de reprendre les transports en commun. Alors, je vais débuter par vous parler du transport scolaire qui a été vraiment un bon défi pour l'ensemble de nos équipes. Comme vous savez, le transport scolaire a été arrêté, l'école étant fermée dans l'ensemble du Québec. Alors, la raison pour laquelle nos opérations de scolaire ont repris, c'est que nous sommes opérateurs, mais à l'extérieur du Grand Montréal, alors dans la région de Sherbrooke et également dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, lorsque la reprise scolaire a été annoncée, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous préparer, mais définitivement, la construction des idées avec les commissions scolaires, mais également le travail d'équipe à l'interne ici nous a permis de réagir très rapidement. Je vais vous montrer quelques mesures qu'on a prises de ce point de vue-là. On peut changer la slide. Alors, définitivement, le port du masque et des visières ont été mis de l'avant. On a vraiment créé des trousses individuelles pour l'ensemble de nos conducteurs étant donné qu'ils gardent souvent le véhicule à la maison pour faire leur trajet. Donc, on a créé des trousses à travers lesquelles les conducteurs avaient un ensemble d'outils, masques, désinfectants à main, visières et compagnie pour se protéger. Mais également, on avait le défi de la protection du conducteur. Alors, la protection du conducteur dans le cadre du scolaire est différente de dans l'urbain. Dans l'urbain, on peut se permettre de mettre des Lexan, des plexis qui sont rigides, tandis que dans le cadre du scolaire, on se doit d'avoir accès à circuler dans le véhicule facilement, étant donné qu'on a à charge des enfants. Alors, il fallait que la protection qu'on crée soit souple. Alors, nos équipes de maintenance ont vraiment créé quelque chose d'intéressant. Si tu peux cliquer, Karianne. Alors, comme vous voyez, c'est une pellicule souple aimanté qui permettait au conducteur de pouvoir sortir de son habitacle rapidement si besoin pour les enfants. Alors, c'est une mesure vraiment qui a été efficace et qui nous a permis de débuter nos opérations en toute sécurité. Si on poursuit, c'est vraiment des mesures qui étaient exceptionnelles. Comme vous savez, on avait un nombre maximal d'enfants à l'intérieur du véhicule qui était possible. Nos installations de pellicules transparentes étaient nécessaires pour vraiment sécuriser l'ensemble de nos opérateurs, mais également à la soit la désinfection des autobus après chaque voyage. Un fait intéressant sur lequel je veux porter votre attention, c'est qu'au contraire de ce qu'on peut réfléchir, si on change de slide, s'il vous plaît, c'est que nous sommes revenus à 100% de nos routes scolaires. Donc, les routes qu'on avait à opérer basées sur le nombre d'enfants qui revenaient à l'école ont été complétées à 100%, ce qui veut dire que la grande majorité des enfants du primaire des régions de Sherbrooke et de Saint-Jean-sur-Richelieu sont revenus à l'école. Donc, définitivement, les mesures qu'on a mises de l'avant ont su non seulement rassurer nos employés parce que l'entièreté de nos employés ont repris le travail, mais également les jeunes, les familles se sentaient assez en sécurité pour que le transport en commun, le transport scolaire soit utilisé pour le retour à l'école. Maintenant, je vais faire un focus sur nos opérations interurbaines. Alors, l'interurbain pour nous, c'est une ligne entre Montréal et Sherbrooke ainsi que différentes localités autour de Sherbrooke et Magog qui malheureusement ont cessé complètement leurs opérations depuis la fin mars. Alors, si on peut changer de slide, merci beaucoup. Alors, depuis la fin mars, non seulement au début de la crise, l'achalandage s'est vu dégringoler là, de façon incroyable. Il y a eu également l'arrêt et l'interdiction de voyager entre les régions qui a fait en sorte que les gens n'ont plus utilisé nos services. Le télétravail a également eu un impact très fort sur nos opérations. Donc, il fallait
sécuriser nos employés et sécuriser nos voyageurs également, d'où la fermeture des opérations. On entrevoit une reprise fin juin, mais sous certaines conditions qui ne sont pas encore délimitées. Alors, je vous dirais que ça sera histoire à suivre sur le retour du transport interurbain parce que les mesures qu'on voit dans l'urbain, dans le scolaire, dans tous les types de transports vont également s'appliquer d'un point de vue de l'interurbain éventuellement. Donc, ces mesures-là sanitaires doivent nous être confirmées. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Premièrement, un nombre de voyageurs limité. Donc, on parle d'une distanciation de 2 mètres, c'est moins qu'un banc sur deux, c'est plutôt un banc sur deux en diagonale. Donc, 14 passagers au contraire d'une capacité de 52, ce qui clairement est une particularité qui affecte nos opérations, étant donné que dans l'interurbain, ce n'est pas contractuel. On est 100% risque d'un point de vue des revenus financiers de nos opérations. Alors, ça, c'est un enjeu important pour nous, mais pour également s'assurer de la sécurité de nos utilisateurs. Donc, on aura également les protections pour isoler le conducteur des passagers. L'abolissement des deux premières rangées de sièges également dans nos véhicules. Évidemment, le port d'équipements de protection individuelle par nos conducteurs, mais également, on réfléchit toute l'industrie du transport interurbain si le port du masque par les voyageurs ne serait pas également obligatoire dans l'optique où ça nous permet d'augmenter notre capacité à bord et de transporter le plus de voyageurs possible. Évidemment, la désinfection au quotidien sera également importante. Lorsqu'on parle de la reprise pour nous, ça se résume en différentes contraintes qu'on peut avoir, mais également des mesures supplémentaires d'entretien qui doivent s'ajouter, qu'on veut ajouter par sécurité. Mais je dois vous avouer que ça nous crée un enjeu d'opération et financier qu'on tente de discuter avec le gouvernement, sachant que cette limitation-là et sachant qu'on est 100% à risque sur nos opérations, donc 100% revenus générés par nous, ne nous permet pas aujourd'hui de s'assurer d'une reprise qui serait financièrement viable pour nos opérations. J'avais envie également de vous parler d'une innovation en temps de crise que Transdev au Québec a mis de l'avant. Transdev, premièrement, c'est des opérations à travers le monde, mais c'est également des opérations en Ontario. Transdev Canada est très installé dans différentes provinces, dont en Ontario. Et en Ontario, le transport sanitaire ou non urgent est vraiment une facette très développée. Ici, au Québec, c'est organisé différemment, mais on a vraiment travaillé avec les gouvernements et les CIUS pour offrir notre offre de services, une nouvelle offre de services. On a aussi innové en ce temps de crise-là pour offrir un service de transport adapté, mais sanitaire, en temps de pandémie. Alors, comme vous pouvez imaginer, on fait du transport adapté, donc des gens à mobilité qui sont réduites, mais en temps de crise, il y a certaines personnes qu'on devait voyager qui étaient possiblement contaminés par la COVID. Alors, on devait revoir complètement tous nos processus. Alors, on a vraiment co-construit avec nos équipes en Ontario qui sont habituées de faire du transport sanitaire et médical non urgent, de venir nous former et de nous expliquer comment est-ce qu'on pouvait donner un service de transport de façon sécuritaire, autant pour l'usager que notre conducteur, en créant différentes modifications, non seulement à travers des protections individuelles, mais également à travers des protections qui maintenant séparaient la zone conducteur avec la zone où l'utilisateur est installé. Donc, c'est vraiment un nouveau service qu'on a lancé et en quelques semaines seulement, on a été capable de transporter plusieurs personnes contaminées de façon sécuritaire. Si on poursuit avec les enjeux de ce nouveau service-là, vraiment l'entraînement, moi, je ne pouvais pas imaginer à quel point c'était complexe, mais vraiment la manipulation des passagers atteints de la COVID demandait une attention particulière. On a revu complètement les tâches et la sécurité à travers le travail de nos conducteurs. On a dû leur montrer comment mettre et enlever un équipement de protection. Les gants, le masque, comme vous savez, c'est pas évident de les enlever sans se contaminer. On a même imaginé, à travers un de nos véhicules, une zone de désinfection, mais totale pour les conducteurs, là, comme une douche sanitaire qui permettait à l'entrée et après chaque service également, de se désinfecter pour être certain de revenir à la maison désinfecté, étant donné que plus souvent qu'autrement, 90 % du temps, ils ont voyagé des gens qui étaient contaminés. Alors, on était très fiers de nos équipes de ce point de vue-là.
qui m'amène un peu vers la conclusion de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'avais envie de vous laisser sur quelques pistes de réflexion qu'au sein de Transdev, on commence à avoir. Pour nous, vraiment, un angle qui est important, c'est la reconstruction de la confiance, non seulement des passagers, mais également de nos clients, c'est de nos donneurs d'ordre, pour se remettre complètement de la crise. Alors, on voit déjà émaner, si on peut changer la slide, s'il vous plaît, des nouvelles demandes à travers différents sondages qui nous permet d'anticiper là, vraiment une reprise dans la durée lente, mais avec des nouveaux piliers. Donc, on a commencé la crise en avril vraiment avec une peur de la proximité, le numérique rendu indispensable de par le télétravail et également des nouveaux modèles de comportement. Donc, on a fait différents sondages à travers plusieurs opérations dans le monde et les gens ne veulent plus se déplacer de la même façon et la vie à distance sans l'utilisation des transports en commun est maintenant pratiquement plus envisageable qu'elle ne l'était. Donc, ils sont tous de plus en plus, les gens qu'on a sondés, sensibles à leur environnement global et donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Les gens souhaitent également vraiment regarder cette reprise-là d'un point de vue national. Hein. On veut faire vivre notre nation pour la reprise économique. Donc, les gens, dans une optique de reprendre le transport, c'est quelque chose qui garde en tête également. Et on regarde en tête également le ralentissement économique qui est là pour tout le monde. Ce qui nous amène, pour nous, à se poser quelques questions que je vous partage, dont je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Un, comment est-ce qu'on peut rétablir la confiance des passagers à travers une crise comme celle-là? Quel genre d'impact ça va avoir sur notre modèle d'entreprise, sur la façon dont on gère nos contrats dans le futur? L'impact sur les coûts, les modèles de fonctionnement qu'on peut avoir, parce que les modèles de fonctionnement normaux ne sont plus, sont désuets. Donc, on doit revoir complètement également ces questions-là. Et finalement, l'impact de notre développement dans les géographies, dans l'avenir du transport en commun qui vraiment ne sera plus le même. Ça nous amène tranquillement, pas vite, vers la vision d'un transport en commun qui peut se réinventer. Il y a des pistes d'opportunités dans ça qui sont intéressantes et c'est le bon moment de se poser des questions soit sur des nouveaux modèles d'exploitation ou sur des nouveaux modèles pour mieux gérer le transport en commun. Donc, nous, ce qu'on voit comme modèle d'exploitation, comme amélioration, c'est vraiment la connectivité qu'on peut offrir. Et je fais vraiment un lien avec ça, avec la crise et le sanitaire. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous, nos conducteurs, dans le passé, venaient prendre l'entièreté de leur prise de service à la répartition à l'intérieur des sites opérationnels. Et à travers les nouvelles normes qu'on a mis de l'avant, du jour au lendemain, on leur a refusé l'entrée dans les garages et on a vraiment changé les circuits à l'intérieur des sites pour ne pas que les équipes se croisent. Donc, la prise de service qui se faisait maintenant en personne, maintenant, peut se faire de façon connectée. Alors, on travaillait déjà sur une application de prise de service et de vraiment d'intranet aux conducteurs pour les horaires, les routes et compagnie. Alors, ça nous a permis d'activer vraiment plus rapidement ce lancement-là d'outils qui peuvent nous permettre d'exploiter différemment notre opération et de tenir en compte la sécurité sanitaire là, de nos employés. Donc, il y a tout ce qui est déménagement de bureaux également, le télétravail pour nos employés administratifs, la gestion du temps réel, y compris la charge dans chacun de nos véhicules, et d'imaginer des solutions de plus en plus flexibles. Puis quand on parle également d'autres mesures d'un point de vue d'une meilleure gestion des opérations de transport, que sanitairement et sécuritairement, ça soit visible aux gens, les efforts qu'on fait, mais c'est le temps de travailler sur des données en temps réel, donc pour vraiment numériser la relation avec nos passagers puis encore mieux communiquer avec eux. Moins de déplacements dans l'ensemble possible grâce aux interactions numériques qu'on peut avoir sur l'ensemble de nos territoires. Définitivement, regarder comment est-ce qu'on peut décharger les heures de pointe pour assurer la sécurité et le confort des gens. Le télétravail va changer ça énormément. Et le mot qui revient souvent, c'est la mobilité plus verte. Alors, les gens nous parlent d'avoir certaines craintes des transports en commun, mais c'est le temps peut-être de regarder dans le mix du transport, comment est-ce qu'on insère les vélos, la marche, les scooters pour vraiment avoir une mobilité complète qui entoure le transport en commun tel qu'on le connaît. Lorsqu'on regarde comment est-ce qu'on peut prévoir la trajectoire de reprise de la crise, quelques informations également suivant certains sondages qu'on a commencé à faire. Définitivement,
le pronostic de fréquentation de la normalité, si on peut changer de page, s'il vous plaît, montre que tout ce qui est étudiant et étudiant, je veux dire, les jeunes et les gens qui vont à l'université ou qui vont aller travailler vont maintenir des voyages, donc des déplacements dans les transports en commun de façon assez régulière. Ça va revenir à une certaine normalité. Ce qui va vraiment changer, c'est la vraie force vraiment des gens qui maintenant peuvent télétravailler, au contraire des étudiants qui devront avoir à se rendre à l'école. Les gens qui télétravaillent définitivement vont changer comment est-ce que la fréquentation s'organise dans les véhicules. On voit vraiment, d'après nos sondages, définitivement les gens plus âgés qui vont avoir une peur de contamination qui va vraiment diminuer la fréquentation. Puis c'est une forte c'est vraiment une forte représentation de nos transports en commun viennent des seniors. Pourquoi? Parce qu'ils décident de prendre le transport en commun de façon très compulsive. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils vont maîtriser davantage par crainte de l'utilisation du transport. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler de deux statistiques simplement pour mettre la table sur une réflexion. Lorsqu'on regarde comment le métro de New York s'est remis du 11 septembre, ça a pris 4 ans à ce que l'achalandage normal des transports en commun du métro de New York se refasse, comme on voit. Et finalement, lorsqu'on regarde la crise du SRAS qu'il y a eu à Taïwan en 2003, il y a vraiment une chute, si on peut changer de slide, s'il vous plaît. Une chute qui a eu lieu durant la crise du SRAS, qui a eu un impact sur l'achalandage de façon énorme. Et ce qu'on voit, c'est que la nouvelle normalité, la tendance qui était normale, n'a jamais été réatteinte avant plusieurs années encore. Donc, définitivement, on ne sait pas comment ça va se passer pour nous, mais je pense qu'il est légitime de penser que cette reprise-là va prendre énormément de temps. Ce qui m'amène à vous dire que pour nous, l'essentiel, c'est l'engagement social, non seulement d'un point de vue tout type de mobilité qu'on peut avoir au service, mais c'est l'engagement face à notre public, mais c'est définitivement également l'engagement face à nos employés qu'on peut sécuriser et donner envie de revenir travailler avec nous en toute sécurité. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On a une question là, déjà. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller avec une période un peu plus de discussion. J'invite aussi les autres panélistes à ajouter des commentaires si vous le souhaitez. On a ici Blaise Rémillard qui aimerait avoir en fait tes réflexions par rapport à un enjeu spécifique. Il nous dit « Le port du masque obligatoire a été mentionné parmi les pistes envisagées. Ça semble judicieux tant pour rétablir la capacité des véhicules et la rentabilité économique et écologique que la confiance des usagers. L'obstacle principal me semble les personnes marginalisées ou à faible revenu. » Effectivement, le port du masque, je peux vous en parler, ça le fait état de débat comme partout dans la société, dans les transports. Je ne parlerai pas du transport urbain parce que mon collègue, la Société de transport de Laval, va certainement en parler. Nous, nos conducteurs souhaitaient avoir le port du masque et la visière, donc on l'a fait pensant très bien que ça pouvait protéger nos gens. Moi, je pense que dans l'optique du transport en commun, la capacité, la charge maximale est tellement difficile à contrôler. C'est tellement difficile, on l'a vécu, contrôler le nombre de personnes dans un véhicule urbain. Nous, on opère de l'urbain sur la rive sud et puis au début, il y avait très peu de monde et là, tranquillement, pas vite, l'achalandage revient à la normale. Donc, c'est certain que nos conducteurs nous parlent du port du masque par les usagers. C'est difficile parce que ce n'est pas une obligation par le gouvernement, hein, c'est une forte recommandation. Là où on l'envisage, nous, dans notre transport interurbain, c'est vraiment dans une optique où on est maître à bord de nos opérations. C'est une opération qui est 100% risque et ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir maximiser le nombre de personnes à l'intérieur du véhicule tout en étant sécuritaire. Alors, la décision, elle n'est pas prise de ce point de vue-là. Et je suis d'accord avec vous que les gens plus en marge peuvent avoir du mal avec cette prémisse-là. Mais d'après moi, c'est une mesure qui est nécessaire, du moins à moyen terme, dans une optique de reprise, le temps que la confiance soit regagnée. Et j'espère, moi, la première, ne plus mettre mon masque un jour lorsque je me promènerai dans les corridors chez Transdev. Nous, les mesures ont été appliquées également à l'interne dans notre entreprise, mais je pense que c'est une obligation, du moins pour les mois à venir, le temps que la confiance soit regagnée et qu'on revienne, j'aime pas le terme normalité, parce qu'on se demande tous à quoi ça va ressembler, mais je pense que ça sera nécessaire, du moins dans nos opérations interurbaines,
pour d'un point de vue de charge, mais également d'un point de vue de rassurer les gens à l'intérieur des véhicules. Merci beaucoup. J'ai une autre question ici qui nous vient de CDPQ Infra qui nous dit « Bonjour, quels sont les paramètres qui permettent d'affirmer dès à présent que les étudiants vont continuer à effectuer leurs déplacements courants vers les universités, par exemple? Le développement du télé-études semblerait indiquer une conclusion plus contrastée et vous remercie d'ailleurs de cette belle présentation. » Ça fait plaisir. Écoutez, je pense que les données sondages que j'ai présentées, premièrement, elles sont très préliminaires. Elles sont faites dans l'ensemble de nos réseaux, ce qui fait en sorte que chacun des pays va avoir ou des provinces des prémices différentes de retour à l'école. Ce que je crois comprendre, c'est que dans d'autres pays dans lesquels on opère, la notion d'école ou de télé-école virtuelle n'est pas quelque chose qui est d'actualité. Je pense que le Québec, et c'est une grande fierté pour nous, on est très fiers d'être innovants. Peut-être que si l'école ici devient une télé-école, les gens sauront prendre exemple sur nous. Mais ce qui est ressorti des sondages qu'on a fait dans l'ensemble des pays, en fait, ce qui commence à se démarquer, c'est que tout ce qui touche le niveau de l'école, donc les gens primaires et secondaires ou universitaires, devraient reprendre le transport en commun de façon plus normale, dépendant également des aménagements qu'ils peuvent prendre. Mais encore une fois, au Québec, je suis d'accord avec le commentaire qui fait que la télé-université ou le télé-cégep risque de prendre son envol. Et je pense que c'est une bonne méthode. Moi, je suis une pro du télétravail encadré. Alors, je pense que pour les universités et les écoles, il y a beaucoup de bénéfices à ça aussi. Merci beaucoup. Et dernière question pour cette discussion-ci, pour rebondir un peu là, sur les sondages dont tu nous parles. Donc, vous avez sondé là, plusieurs usagers pour vous aider, dans le fond, à prendre des décisions là, sur les mesures d'adaptation et les mesures d'aménagement. Est-ce que vous prévoyez faire des nouveaux sondages pour vérifier le niveau de sécurité ressenti par les usagers et aussi à quel point ça pourrait influencer vos décisions futures d'aménagement? En fait, pour nous, sonder la clientèle, ça fait partie de la reprise de confiance. Si on veut adapter nos opérations, notre méthode de fonctionnement, travailler avec nos clients donneurs d'ordre pour aménager les réseaux de demain, être force de proposition, il faut continuer de sonder les gens. Alors, je pourrais vous revenir avec la fréquence avec laquelle notre organisation prévoit sonder, mais définitivement, l'engagement dont je vous parle, cette reprise de confiance-là, cet engagement social-là qu'on a, ça va jusqu'à... Et ça, c'est la base, c'est de comprendre comment les gens veulent se déplacer aujourd'hui pour qu'on s'adapte. Alors, définitivement, ça sera fait de façon récurrente et je suis assez certaine là, qu'il y aura une étude très complète qui sortira dans les prochains mois qui nous permettra de peut-être même entrer dans plus de détails par rapport à cette reprise. Est-ce que vous sondez aussi vos employés, par exemple, pour évaluer le niveau de satisfaction et de sécurité aussi? Parce que c'est un monde tout à fait différent et les employés doivent respecter des contraintes, des nouvelles règles. Et puis, c'est toute une différente adaptation aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu des réclamations d'aménagement spécifiques, par exemple, par des employés ou par des syndicats? Oui. Oui. On est sur le terrain, sur les fronts. On est 1100 employés au Québec, au front, depuis le début de la pandémie, qui sommes très actifs. Je suis très fière que tous nos opérateurs, tous nos conducteurs, tous les gens à la répartition dans les opérations ont été présents depuis le premier jour sur le front. Les demandes syndicales ont été nombreuses, mais je dois vous dire qu'elles étaient nécessaires. Et que malgré que ça soit une demande d'un syndicat, pour moi, j'aurais eu ces demandes-là de toute façon pour protéger nos employés. Les demandes n'étaient pas déraisonnables, les demandes étaient justifiées. Et pour l'instant, lorsqu'on parle à nos employés, ils sont en confiance et fiers de travailler pour notre organisation. Et je vais vous laisser là-dessus sur un clin d'œil par rapport aux scolaires, par rapport aux mesures qu'on a prises. C'est même notre représentant syndical qui a contacté les médias pour que les médias nous montrent vraiment ce qu'on avait fait d'un point de vue scolaire. Et tant ils étaient fiers de ce que l'organisation avait fait dans une optique de montrer l'exemple. Donc, je pense qu'on a fait preuve d'une bonne communication avec les gens, qu'on continue de sonder à s'assurer qu'ils soient confortables. Et puis, définitivement, les demandes, autant syndicales que des employés non syndiqués, étaient justifiées dans une optique de sécurité. Donc, ça n'a pas été un enjeu.
Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je vais maintenant inviter M. Guy Picard, directeur général de la Société de transport de Laval, à nous faire sa présentation. Bonjour. Ce que je vais faire, c'est que je vais aborder trois sujets. Je vais aborder un peu la gouvernance de cette crise-là à l'interne ici, les actions qu'on a mises en place et ensuite quelques considérations sur le futur. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la STL, dans le jargon du métier, c'est une société de transport moyenne là, avec 1000 employés environ. Si on passe à la diapo suivante, en termes de gouvernance, nous, on était prêts à plein de choses. On était prêts à faire face à un camion de propane qui explose pas loin de notre centre d'opération. On était prêts à faire face à des fuites de gaz. On était prêts à faire face aussi à des choses comme des pandémies, mais des pandémies où on avait eu une diminution du nombre d'employés disponibles parce qu'ils avaient été malades, qui suivrait un peu là, la diminution de la fréquentation de notre réseau. Alors que là, on s'est retrouvé avec quelque chose qui était totalement différent, où on a eu jamais plus d'un demi, de 1% de nos employés qui étaient atteints du virus, alors qu'on avait une diminution là, de plus de 80, de près de 90%, 85% de notre achalandage. C'est un débalancement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais prévu. On avait à la base, pour faire face, on avait une cellule de crise double. On avait une cellule qu'on appelle stratégique, là, qui prenait les grandes orientations stratégiques, qui allouait les ressources. Puis on avait aussi une cellule tactique qui était vraiment là, sur la ligne de front, qui devait tous les jours, sur le terrain, faire face aux différents éléments là, qui pouvaient surgir. Et on avait une communication là, qui était très, très, très en continu. Là. On avait plusieurs rencontres par jour. Habituellement, quand crise comme ça arrive, quand la fin de la crise arrive, on demande à la cellule tactique de dire, bien, écoutez, la crise est terminée, pouvez-vous voir au rétablissement? Et là, ce qu'on voit, c'est que, contrairement aux crises habituelles, disons, cette crise-là va durer encore des mois, une année encore, peut-être même plus. Et le rétablissement, on ne peut pas demander à la cellule tactique qui est au front de s'occuper du rétablissement. Donc, on a créé une cellule de rétablissement qui, elle, doit nous dire au courant des 18 prochains mois quelles sont les actions qu'on devrait mettre en place. C'est quoi les choses qu'il faut qu'on fasse en termes d'offres, en termes de sécurité pour les clients, de sécurité pour les employés, en termes de priorisation des projets. C'est quoi la liste des 100 choses là, qu'il faut qu'on pense au cours des 12 et 18 prochains mois? Donc, ces trois cellules-là se rencontraient à des fréquences variables dépendant du moment où on était dans la crise. Et la première règle qu'il faut qu'on considère, là, c'est ce qui a fait qu'on croit là, qu'on a été vraiment capable de bien faire face à cette crise-là, c'est l'agilité. Jamais il y avait une demande qui était faite par la cellule tactique à la cellule stratégique. Rarement les demandes qui prenaient plus qu'une heure à être réglées à partir du moment où on regardait la chose. Donc, il fallait que ça soit très agile. Maintenant, si on regarde en termes de communication, bien, la communication était très importante autant entre les cellules qu'auprès des employés. À tous les jours, en fait, la fréquence a diminué, mais au début, à tous les jours, quotidiennement, donc, il y avait une communication auprès des employés, auprès des gestionnaires. Notre site intranet aussi contenait toute cette information-là. On communiquait aussi auprès de la clientèle, auprès de nos partenaires. Ce qu'on a appris dans cette crise-là, c'est que le monde est très local. Hein? Quand j'assistais à des webinaires de l'UITP, on voyait qu'à Vienne, à Berlin, à Londres, tout le monde a les mêmes problèmes, tout le monde a la même chose. C'est juste qu'on est peut-être une semaine ou deux décalés par rapport à l'autre. Là. Fait qu'on a eu beaucoup de conversations avec l'ACTU, avec l'UITP, avec la TUC, avec nos collègues aussi, directeurs généraux des autres sociétés de transport. Et puis, la communication constante, ça a vraiment été là, la deuxième clé, que je pourrais dire, de cette gestion de crise-là. Si on passe à la diapo suivante, bon, l'adaptation de nos façons de faire, il fallait s'adapter sur deux plans. Le premier plan, c'était sur le plan de nos employés. Donc, il y a une série de mesures qui ont été mises en place. Là, Marie-Hélène en a parlé aussi un peu. Entrer par la porte arrière pour protéger le chauffeur. Ensuite, distribution d'équipements de protection individuelle. Pour les chauffeurs, on est en train aussi de travailler sur la mise en place là, pour pouvoir reprendre graduellement le paiement par la porte avant, donc d'une protection en l'accent qui va l'isoler du reste des passagers dans le véhicule.
nettoyage des aires communes de travail. Et ça, ça a été tout un travail aussi. Modification des horaires. Bon, on avait des horaires de travail qui faisaient que les corps de travail se croisaient, donc on avait beaucoup de gens dans les vestiaires. Donc, pour éliminer cette proximité-là des gens, ben, on a modifié les horaires de travail. Donc, on a eu une certaine perte de productivité. Les outils doivent être lavés une fois qu'ils sont utilisés. Une autre perte de productivité. Un mécanicien qui va chercher un autobus, ben, il doit le laver aussi. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que nos employés soient contaminés, tombent malades et qu'on ne soit pas capable finalement de livrer notre service. Télétravail. On a ramené les gens à la maison. Le taux de télétravail pour les gens qui peuvent en faire est à peu près de 95 %. Il y a des gens pour différentes considérations, là, mais c'est marginal, pour qui c'est plutôt difficile. En termes de télétravail aussi, on s'est demandé, en fait, on avait dit aux gens qu'on leur reviendrait au mois de juin pour leur dire, bon, qu'est-ce qui se passait? Et là, on a prolongé le télétravail là, à 100 %. On l'a prolongé jusqu'au mois de septembre. Et au mois de septembre, on va revenir avec d'autres directives. La principale raison qui fait qu'on maintient le télétravail, c'est qu'on n'est pas capable de maintenir un niveau de sécurité adéquat à l'intérieur de nos bureaux. Même si on avait 30 %, peut-être 40 % des effectifs qui revenaient dans les bureaux, puis qu'on mettait des plexiglas entre les bureaux, bien, il y a des aires communes où les gens vont se croiser. Il y a une cafétéria, il y a des micro-ondes, il y a des corridors. Finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accroître le niveau de risque de contamination chez les chauffeurs, chez les mécaniciens, chez les gens qui sont obligés d'être au travail. Donc, on a repoussé cette date-là. Et il y avait une question tantôt, est-ce qu'on fait des sondages? On a fait des sondages auprès des employés et durant l'été, il y a une bonne proportion de nos employés qui trouvaient difficile de revenir travailler parce que les questions de camp de jour, donc il y a des difficultés à revenir et le sentiment d'insécurité était extrêmement grand. Les gens doutaient, de la capacité de l'entreprise d'être capable d'offrir un milieu de sécuritaire, mais deux, et surtout, de la capacité aussi de tous ces gens-là à respecter les mesures de distanciation. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites du côté des clients. Comme un peu partout dans le monde, là, notre achalandage a diminué d'environ 80. On était à 13-14 % de notre achalandage régulier au pire de la crise. Là, on est remonté à peu près à 32 %. Donc, avec 15 % de l'achalandage, on a réduit, on avait 60 % à peu près de notre service. Et il fallait donc quotidiennement regarder les quelques 2000 voyages qu'on fait. On a des compteurs de passagers. Tous les jours, on regardait chaque voyage, combien de personnes il y avait dans le voyage. Et aussitôt qu'il y avait plus de 15 passagers, bien, à ce moment-là, on mettait un double. On s'organisait pour qu'il y ait... On a eu à peu près, là, sur l'ensemble de la période, on a eu, je crois, c'est 38 plaintes de surcharge de la part de la clientèle depuis le début de la crise. Donc, vraiment, c'était toujours là, minutieusement fait par les gens de la planification, les gens du service, pour s'assurer là, qu'on avait le moins de personnes possible dans un autobus. Au transport adapté, bien, il y avait un seul passager par véhicule. Encore là, c'était une mesure de distanciation là, totale. On a suivi les consignes de la santé publique, tout ce qui est nettoyage des véhicules. Et il y avait une question sur les couvre-visages suite à la présentation de Marie-Hélène. 15 passagers par véhicule, là, on peut faire ça quand on a 15 % de l'achalandage. Mais si on passe à 20, à 30, là, on est à 30-32 % d'achalandage, on a environ une trentaine de voyages là, sur plus de 2000 où on a plus de 20 personnes. Mais quand on va passer à parce qu'on fait du monitoring encore là quotidiennement, mais quand on va passer à du 40, à du 45, à du 50 %, ça va être impossible. Donc, la distribution de couvre-visage aux employés, mais aussi aux clients, bien, c'est pour préparer l'après 15 passagers par véhicule. Dans la région de Montréal, il va y en avoir 1,5 million qui vont être distribués. Il faut communiquer aux gens pour modifier le comportement, pour les gens portent le couvre-visage. Et concernant l'obligation de porter le couvre-visage, j'aime bien l'approche d'Ottawa où le couvre-visage est obligatoire, mais il n'y a pas de police du couvre-visage. Il y a toujours quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, l'aura pas et qui doit se rendre chez le médecin, puis là, on va l'interdire dans l'autobus. Mais à partir du moment où ça devient obligatoire, il y a une espèce d'obligation qui est plus morale de dire « je devrais le porter ». Donc, c'est là où on est par rapport à ça. Si on s'en va maintenant du côté
de la mise en place de ces mesures-là, tout ça, ça a demandé énormément de temps. Moi, il y a un temps où 90 % là, de mon temps, là, c'était de la COVID. Je me demandais ce que je faisais habituellement de mes journées. Là. C'était uniquement ça. Tout le monde travaillait là-dessus. Donc, il a fallu ajuster notre planification stratégique, ajuster nos projets, revoir la priorisation totale de nos projets parce que on a environ les trois quarts de nos projets qui ont été mis soit sur la glace, soit, disons, en mode ralenti. À tous les mois, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait réactiver. Parce qu'il faut absolument donc qu'on donne de l'air aux gens, parce que si on épuise les troupes, dans un cas comme on a présentement, on n'ira pas loin. Diapo suivante, considération future, considération client, donc, pour commencer, résister à l'appel des coupes de services. On entend des gens qui disent, écoutez, s'il y a peut-être juste 50 % des gens dans l'autobus, 60 % on pourrait peut-être donner moins de services, couper le service. C'est un couteau à deux tranchants parce que, et ça me fait penser, je regarde, si vous regardez le point 3 de la diapo, il faut, et Marie-Hélène en a parlé, il faut bâtir la confiance des clients dans le transport. Cette confiance-là, elle est érodée. Il y a des gens qui ont peur de prendre le transport collectif. On fait mensuellement des sondages auprès de nos clients pour voir où ils en sont. 10 % des clients nous disent, moi, je ne reprendrai plus le transport collectif, trop dangereux. Et donc, c'est une marche à monter. 30 % des gens disent, je vais le prendre moins. Maintenant, je vais travailler un peu plus. Je vais faire des déplacements seulement essentiels. Donc, il y a une côte à monter. Donc, il faut rebâtir cette confiance-là. Il faut aussi rappeler la valeur du transport collectif. Il y avait le PMD, le plan de mobilité durable du gouvernement. Si le transport collectif était une solution à plein de mots avant la crise, bien, il continue à l'être. Donc, il faut absolument travailler là-dessus. Le point 4 du premier point, informé sur les conditions de déplacement. On va lancer dans quelques jours une application qui permet de voir pour un client le profil de charge de son déplacement. Donc, si un client décide de prendre le bus 42 à telle heure, à tel endroit, bien, il va voir le profil de charge, combien de personnes il va y avoir, donc basé sur les quelques derniers jours dans son véhicule. Donc, ça lui permet de dire, bien, si je veux devancer ou retarder un peu mon déplacement, bien, je peux peut-être avoir moins de gens dans l'autobus. Donc, ça va probablement, ça peut permettre d'étaler un peu la pointe. Considération interne, je termine avec ça. Bon, retour au travail, c'est quelque chose qui va être difficile, qui va falloir, dépendant s'il y a un vaccin ou pas de vaccin. Et le télétravail, bon, tous ceux qui pensaient que le télétravail, c'est impossible, je pense qu'on a fait la preuve que ça ne l'était pas. On est en train de regarder, nous, des gains, des pertes, des impacts sur la productivité. Mais le télétravail, c'est quelque chose qui va faire partie de la vie à la STL. De quelle façon, comment, on est en train de regarder ça. On va discuter de ça avec nos syndicats. Mais c'est clairement quelque chose qui est là pour rester. Peut-être pas à un niveau comme on en a présentement, là, mais qui va au moins rester un peu. Réévaluer nos priorités. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire. Maintenant, on va décaler un peu dans le temps parce que une question de disponibilité des ressources et aussi optimiser nos processus dans un environnement qui est la sécurité prend une dimension très, très différente. On ne peut pas continuer à avoir des pertes de productivité aussi grandes à cause des mesures de sécurité. Donc, il va falloir qu'on trouve des mesures, des façons de faire, des façons de travailler. Là, tout s'est fait d'une façon extrêmement rapide pour essayer de regagner cette productivité-là. Alors, ça termine ce que j'avais à vous dire dans ces quelques minutes. Merci. Super, merci beaucoup, M. Picard. Une question vous avez parlé là, donc un peu des éléments clés là, que vous avez ressortis là, de toute ces opérations-là. Quels ont été les plus grands défis à surmonter selon vous? Là, qui a été le plus difficile pour mettre en place ces mesures sur lesquelles vous pourriez, dans le fond, faire des recommandations à, par exemple, des opérateurs qui doivent mettre en place ce type de mesures? Bien, comme je le disais, le premier élément, là, quand l'idée de créer une cellule de rétablissement, c'est parce que c'est toujours les mêmes personnes qu'on sollicite. Comme la crise dure longtemps, bien, si les gens qui s'occupent du tactique, les gens qui s'occupent du aujourd'hui et du demain, bien, on leur demande aussi de penser à ce qui va arriver dans un mois, deux mois, six mois, 18 mois. Mais à ce moment-là, il y a un problème. Donc, l'idée de créer ces deux groupes-là, permettre de mettre moins de charge, moins de pression sur les gens, donc d'avoir des gens qui sont moins sollicités parce que la longueur de la crise, c'est la caractéristique de cette crise-là, c'est sa longueur, ça ne dure pas deux semaines, ça va durer des mois et des mois. Donc, je pense que l'élément clé, c'est de ne pas sursolliciter des ressources et d'avoir une communication qui est extrêmement agile. Je pense que c'est le
le point le plus important, et permettre aussi aux gens de prendre des initiatives, de ne pas toujours attendre une permission, de d'y aller, quitte à peut-être des fois pouvoir se tromper, mais ça, c'était quelque chose aussi qui était important, de donner de la latitude aux gens, bien informer les gens. Donc, c'est peut-être un peu les éléments clés que je retiens. Hein. Il y avait une grande compétence aussi, parce qu'ajuster le service, pour comprendre qu'un service de transport collectif, c'est on ne peut pas, dans nos ententes syndicales, on peut pas décider que si Jacques s'en va parce qu'il est malade, on va prendre Pierre, on va le mettre à sa place. On va se retrouver avec un gruyère. Donc, la chose qu'on a faite, c'est qu'on a réduit le service parce qu'on se disait on va avoir plein de gens qui vont tomber malades et là, on va être capable de le remonter là, tranquillement. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est pas ça. On a eu 1% au total des gens qui ont été infectés dans nos employés. Donc, ce qu'on pensait qui est arrivé n'est pas arrivé, mais la solution qu'on avait mis en place, qui était de diminuer le service pour ensuite de le remonter aux endroits où ça comptait, a été la bonne chose à faire. Merci beaucoup. Ensuite, on nous demande aussi, vous avez parlé d'un outil d'information aux clients là, pour le choix du moment de leur déplacement. Est-ce que c'est un outil d'information qui se rend en temps réel? Bon, non, dans un premier temps. Par contre, on a une grande discussion sur le temps réel. Le temps réel, je sais que mon autobus, présentement, il y a 10 personnes. Moi, je vais le prendre dans 8 arrêts. Je n'ai aucune idée combien il va y avoir de personnes. Donc, le temps réel, présentement, quand je vais prendre l'autobus dans 10 minutes, ça ne me donne rien. Donc, le temps réel, il faut absolument qu'il soit associé à un modèle prédictif qui va me dire, je sais que cet autobus-là, présentement, il y a 5 personnes, mais dans 8 arrêts, ça me prend un modèle prédictif qui me dise combien il va y avoir de personnes. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Sinon, le temps réel, ça ne veut rien dire. Ou ça me dit, à mon arrêt, présentement, je sais là, qu'il... Mais je ne peux pas prendre de décision. Un outil, ça doit aider à prendre une décision. Et si la décision, vous devez la prendre au même moment où vous avez l'information, puis ça ne fonctionne pas. Fait que le modèle prédictif, on travaille là-dessus. Mais là, ce qu'on donne, c'est au cours des 5 derniers jours, quel a été, par exemple, pour un voyage donné, le profil de charge. Donc, moi, je vais prendre à 9h22 le bus 42 au coin de telle rue, il va y avoir tant de personnes. Et je vais avoir, ensuite de ça, pendant 5 minutes, il va y avoir 15 personnes. Ensuite, 10 minutes, pendant 10 minutes, on va être 25. Ensuite, ça va baisser. Donc, je te donne le profil. Maintenant, comme je disais, le temps réel, on y travaille, mais ça prend un modèle prédictif parce que sinon, c'est bien beau, mais ça ne permet pas de prendre une décision. Merci beaucoup, M. Picard. J'inviterai maintenant Mme Jennifer Guillette, directrice générale des projets de l'EXO chez Bombardier Transport, à nous expliquer un peu comment ça se passe de votre côté. Bonjour, juste confirmer que vous m'entendez bien. On avait des petits problèmes de son au début de la journée. Oui, absolument. Excellent. J'aimerais commencer en fait en remerciant toute l'équipe de Propulsion Québec. Je trouve que c'est une excellente initiative d'avoir l'opportunité comme ça, surtout dans le contexte actuel, de connecter les uns aux autres. Donc, merci à toute l'équipe. Brièvement, là, comme introduction, je vais me présenter. Donc, ça fait 13 ans que je suis avec Bombardier. J'ai commencé chez Bombardier comme avocate et j'ai eu la chance de me promener un petit peu partout, travailler en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Et je suis finalement de retour depuis quelques mois au Bercail, dans la grande région de Montréal, virtuellement aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur mon fond d'écran. Mais bien fière et contente d'être revenue et je suis directrice générale du projet d'EXO avec une formidable équipe avec moi. Donc, Bombardier Transport, bien, en fait, c'est une compagnie très connue, 1500 employés au Québec, plus de 36 fournisseurs, ce qui inclut plus de 6500 employés aussi à l'intérieur de nos fournisseurs au Québec qui nous permettent en fait de faire la promotion de nos employés, mais aussi de rayonner à l'international. Il y a une division qui est méconnue chez Bombardier, c'est la division service. C'est la plus jeune division, en fait, de notre entreprise qui existe depuis un peu plus de 20 ans. Cette division-là, en fait, travaille, c'est la diapositive suivante. Notre côté, en fait, d'affaires qui est l'exploitation et la maintenance des véhicules roulants, autant avec des clients d'autorités privées comme des aéroports. En ce moment, on a dans notre portfolio 9 des 10 plus grands aéroports aux États-Unis. Mais aussi des clients publics, d'autorités publiques, comme par exemple EXO à Montréal et aussi GoTransit à Toronto et plusieurs autres aux États-Unis, Mark à Baltimore, Sunrail en Floride, qui font partie de notre portfolio.
Comme introduction, en fait, 25 projets qu'on a actifs en ce moment en Amérique du Nord, plus de 3000 employés. Et comme introduction, en fait, à la COVID, et un peu pour faire suite à ce que M. Picard mentionnait, une grande réduction de clientèle qui a été vécue par chacun de nos clients. On parle, dans certains cas, de 80, 90, 95 de la réduction de la clientèle. Mais nous, de notre côté, notre service a été maintenu pratiquement à 100 en moyenne, certaines réductions, plus ou moins 20 de service. Ils nous ont demandé de quand même maintenir nos employés au travail. La clé de ça, c'est vraiment la communication qui a été importante entre nos employés, syndiqués, non syndiqués, avec nos clients, avec la haute direction, et sûr que tous ensemble, on était bien alignés avec chacune des recommandations qui évoluaient rapidement là, à travers la crise. Certaines initiatives, puis je fais suite un peu à mon collègue Jean-François Pacoud qui a fait une présentation au webinaire précédent par rapport au milieu manufacturier. Donc, nous, plus au milieu opération de maintenance, plusieurs initiatives ont été mises en place. L'auto-évaluation, bien sûr, recommandée par l'INSPQ qui a été mise en place chez Bombardier pour s'assurer que toute personne qui entrait sur nos sites passait le questionnaire et bien sûr, on se protégeait là, des risques de contamination possibles. Puis sur la prochaine diapo, la même chose était demandée à nos visiteurs, en fait, toutes les mesures de prévention là, qui ont été discutées là, par les présentateurs précédents aussi, que ce soit les mesures de protection personnelle, ont été demandées autant aux employés qu'aux visiteurs. On a limité le plus possible les visiteurs aux visiteurs essentiels pendant l'acheminement de services essentiels. Et ça a été vraiment un succès, en fait. Si on passe à la prochaine diapo, mesures d'urgence, on a mis en place immédiatement dans les premiers jours un processus détaillé, en fait, sur qu'est-ce qu'on faisait dès le retrait d'un employé préventif. Donc, au moment du retrait préventif, on passe soit le test de la COVID, soit qu'on a des symptômes et on est en attente de la quarantaine. Dès ce moment-là, on a des questionnaires qui ont été mis en place pour s'assurer qu'on rassemblait l'ensemble d'informations concernant cet employé-là. Quel lieu il avait visité, quels locaux, quelles personnes il avait été en contact. Tout était préparé pour nous permettre, en fait, sur la prochaine diapo, de réagir rapidement. Donc, si dans un cas positif, si on se retrouvait avec un cas positif, on est en mesure rapidement, dans les minutes qui suivent, de décontaminer tous les lieux qui avaient été visités par l'employé et également de contacter tous les gens qui avaient été en contact avec cet employé-là pour bien sûr, soit les mettre en quarantaine ou suivre aussi les recommandations là, qui sont en place. Donc, il y a un protocole rigoureux qui a vraiment été mis de façon sérieuse par nos gestionnaires santé et sécurité et aussi par notre équipe locale. Au niveau de notre équipe d'entretien, tous les jours, on a une mobilisation quotidienne avec nos gens. Toutes les mesures de protection personnelle ont été mises en place également. Les visières, comme vous le savez, sans doute Bombardier a fièrement produit plusieurs visières au centre de prototypage à Saint-Bruno. Donc, ces visières-là ont été déployées par plusieurs sur différentes entreprises également hôpitaux. On a aussi sur les sites de nos entretiens plusieurs outils qui sont utilisés. Donc, on s'assure que tous les outils sont désinfectés à chaque usage et au besoin, on a des ajustements qui sont faits en début et en fin de corps. Au niveau de notre département ou notre équipe d'exploitation, c'est un peu plus particulier parce que notre équipe d'exploitation est vraiment sur le terrain avec le public, avec les passagers. Donc, certaines mesures ont été mises en place, comme par exemple, délimiter des zones, des petites zones réservées aux opérateurs pour protéger et la clientèle et les opérateurs du contact. On a aussi des mobilisations quotidiennes qui sont faites avec nos équipes. Les communications verbales, écrites qui sont faites. Toutes les mesures de protection également personnelles, visières, masques sont aussi déployées. Et il y a aussi certains protocoles qui ont été mis en place. Là, ça, les protocoles d'opération qui ont été légèrement modifiés. Et ça se fait toujours en lien et en travail là, vraiment étroit avec le client et avec Transport Canada ou FRA quand on est aux États-Unis.
prochaine diapo. Initiative très importante qui a été mise en place dès le début, et ce, dans pratiquement tous nos projets, et je salue en fait chacun de nos clients qui ont eu l'initiative en fait de mettre ça en place, c'est un nettoyage accru qui est maintenant fait de façon quotidienne sur la majorité de nos équipements. Et ici, on voit des photos de Montréal avec Exo, où la désinfectation maintenant est faite de façon quotidienne sur l'ensemble de nos voitures. Donc, tous les endroits fréquemment touchés sont lavés à tous les jours. Il y a également tous les sites de travail de nos employés qui sont nettoyés à tous les jours. Et bien sûr, les endroits de travail comme les locomotives qui sont également nettoyés. En plus du nettoyage quotidien, on a eu la chance là, d'être des leaders à Montréal. Et encore une fois, c'est Exo ici qui a été le leader de se procurer un produit qui s'appelle Aegis. C'est un produit antimicrobien, puis on voit ici là, des employés l'appliquant dès le début de la crise sanitaire. Sur la prochaine diapo, il y a un petit peu plus de détails en fait sur le produit. Produit qui vient permettre en fait d'étaler une couche protectrice sur tous les endroits où il est appliqué. Principalement, on l'applique sur les endroits fréquemment touchés, les coussins, les appuie-têtes, les poignées, les poubelles, les boutons que les passagers pourraient toucher à bord d'un véhicule. Donc, ce produit-là vient mettre une protection supplémentaire et permet, en fait, si le microbe est touché du produit. C'est un produit qui est breveté, dont l'efficacité a été prouvée et qui est en processus de finalisation d'approbation par Santé Canada spécifiquement pour la COVID-19. Donc, on est très fiers, en fait, que notre client ici à Montréal ait été proactif et ait mis en place ce produit autant à l'intérieur des véhicules qu'à l'intérieur des emplois de travail que nous avons. Barrière de protection à bord des locomotives, donc c'est une initiative qui est en ce moment regardée de notre côté, de la part Bombardier. On regarde des prototypages, mettre à l'intérieur des locomotives. Comme vous savez, les locomotives, c'est un endroit relativement restreint. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est permettre soit d'avoir deux personnes d'opération qui puissent travailler à l'intérieur, ou aussi permettre encore la formation, les audits. Donc, les prototypages là, qui sont faits pour évaluer comment l'installation pourrait se faire à l'intérieur des locomotives. Quelques initiatives de notre côté, innovation qu'on a mis en place très rapidement et c'est des packages là, qui sont préparés là, en ce moment par nos équipes. Donc, les trois premières solutions que je vais décrire un peu nous permettent d'augmenter la clientèle de façon totalement sécuritaire à 25% de la capacité de nos équipements. Ces solutions-là, en fait, sont très simples. C'est des solutions d'affichage qui permettent une circulation plus fluide à l'intérieur des véhicules, ce qui permet aussi, ou ce qui évite, en fait, le contact entre les passagers le plus possible. Donc, affichage au sol, affichage sur les portes, qui permet d'identifier une porte d'entrée et une porte de sortie. Ainsi que la protection de certains sièges pour limiter le flux de passagers qui est un peu trop près les uns des autres. En plus de ça, si je peux me permettre, en fait, on peut rester sur cette diapo-là. La dernière initiative qui est mise en place, c'est les panneaux de plexiglas. Et sur cette diapo-là, vous voyez les prototypes qu'on est en train de développer sur les multi-niveaux. Les petits V en bleu sont en fait les sections qui seraient protégées par des plexiglas qui nous permettent en fait de passer de 25% à 59% de capacité totale à l'intérieur d'un multiniveau. Et ça, encore une fois, de façon très sécuritaire pour nos passagers. Et sur la prochaine diapo, c'est des photos un peu plus en fait, précises là, de nos fameux plexiglas. Puis bien sûr, là, on s'assure que ces plexiglas-là sont développés avec nos départements d'ingénierie, tout est en revue là, au niveau des matériaux à utiliser, s'assurer que tout est conforme au niveau des risques d'incendie, etc. Donc, on a nos experts qui travaillent sur ce dossier de façon très diligente. Ici, en fait, je vais faire un clin d'œil comme conclusion à nos équipes qui sont importantes et qui sont là, en fait, à tous les jours pour innover et pour trouver des solutions qui vont nous permettre ensemble, et pas juste chez Bombardier, mais vraiment ensemble dans l'industrie, les différents partenaires, les différents contracteurs,
de trouver des façons de réinventer un peu notre milieu de transport et de redonner confiance à nos passagers de revenir à bord et d'utiliser les transports en commun. Puis, finalement, je voulais juste finir avec une petite touche d'une campagne de reconnaissance qu'on fait chez Bombardier, à laquelle je suis très fière, où on reconnaît nos employés, nos collègues qui sont là jour après jour et qui nous permettent de donner le service qu'on donne à nos clients. Ici, on voit Sudbury, un des membres de mon équipe à Montréal. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Jennifer. Je sais qu'on arrive au bout du temps de notre webinaire, mais on a quand même quelques questions pertinentes. Donc, si les conférenciers sont disponibles et si aussi les participants sont disponibles pour rester quelques minutes de plus, j'aimerais bien peut-être poser quelques questions supplémentaires. Je vais commencer avec toi, Jennifer, vu que pour faire suite dans le fond à ta présentation. On a une question qui... En fait, on se demande si Bombardier Transport a dû faire de l'aménagement différent pour la région de Toronto et la région de Montréal. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des particularités locales ou est-ce que vous faites les mêmes aménagements partout en Amérique du Nord? C'est sûr que, en fait, la grande distinction n'est pas tant Québec-Ontario que Canada-États-Unis. C'est sûr qu'il y a certaines règles. Je vous donne, par exemple, à New York ou à Baltimore, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, des fois de façon plus rapide ou différente. Donc, on devait s'ajuster un petit peu par rapport à nos employés aux États-Unis versus au Canada. Mais dans la majorité des cas, si un gouvernement ajustait en amont de l'autre, on essayait de vraiment s'assurer de standardiser puis d'offrir ce qu'on considérait, nous, le mieux pour nos employés. C'est sûr qu'on devait s'ajuster là, avec les normes locales. Mais en gros, là, pas mal tout a été fait de façon standard à travers les deux pays et toutes les provinces. Merveilleux. Merci beaucoup. J'ai ensuite deux questions pour M. Picard et on va terminer par la suite avec une question pour Marie-Hélène. M. Picard, si vous êtes toujours parmi nous et vous voulez bien répondre à ces questions. Donc, une première qui nous dit, encore une fois, c'est des PQ Infra, qui nous dit « L'achalandage augmente petit à petit et vous l'avez rappelé, la communication est une des clés fondamentales de la gestion de la crise. » Pensez-vous qu'une communication ciblée sur le port du masque à bord des autobus, si elle n'est pas déjà en place, pourrait être efficace pour éviter, par exemple, des mesures coercives? Des échanges inter-OPTC sont-ils en cours pour établir des normes d'usage communes pour les voyageurs? Pour la première question, il y a déjà dans les autobus des indications qui demandent aux gens de porter le masque. Nous, si on fait beaucoup de communication auprès de nos clients pour qu'ils portent le masque, il y a eu une campagne de distribution de masques qui s'est faite. On en a distribué 15 000 et il va en avoir d'autres qui vont se faire. Nous, juste à Laval, on va en distribuer à peu près 60 000. Et donc, on va revenir avec différentes vagues toujours sur le masque. Donc, maintenant, des normes, on s'assure toujours. Moi, j'ai des conversations, c'est un petit peu, on se parle moins souvent, là, mais avant, on se parlait presque à tous les jours avec les autres DG de la région de Montréal pour s'assurer qu'on avait, que quand quelqu'un faisait quelque chose, bien que l'autre le faisait aussi, ou si quelqu'un partait de quoi, on s'attendait ou on se parlait, pour que le client ne soit pas tout mêlé, là, qu'il y ait une chose qui se fasse à Laval, puis quelque chose d'autre qui se fasse à Montréal. Donc, pour les masques, par exemple, on s'est concerté pour faire la distribution en même temps. On a tout le monde à peu près commencé en même temps. On discute aussi avec la RTM. Donc, on essaie d'avoir un certain consensus là, sur les choses qui doivent se faire. Merci beaucoup. Et maintenant, une autre question pour vous qui nous vient d'Olivier Bourgeois qui nous dit « J'aimerais entendre, M. Picard, si des sondages ont été faits auprès de la clientèle sur la perception des usagers quant à l'information sur le nombre de passagers. Par exemple, dans le secteur de l'énergie, il est maintenant reconnu qu'il est plus efficace dans le but de modifier les comportements des usagers, de donner des informations plus pertinentes à la prise de décision que le nombre de kilowattheures, comme par exemple des codes de couleurs, des outils de comparaison entre les comportements eux-mêmes et autres. » Bon, pouvez-vous répéter les 10 premiers mots de la phrase? Oui, elle voulait savoir si des sondages ont été faits auprès de la clientèle sur la perception des usagers quant à l'information sur le nombre de passagers. On ne leur a pas demandé s'ils voulaient savoir quel était le nombre de passagers dans le bus, mettons, mais on leur a demandé quelles étaient leurs préoccupations. Et une des principales préoccupations qui ressortait, c'était la question de la proximité du nombre de passagers. C'est pour ça qu'on a... En fait,
On avait déjà commencé en amont, là, mais ce travail-là qu'on faisait pour identifier le nombre de passagers dans les véhicules, pour donner cet outil-là qui devrait être disponible dans quelques jours là, aux passagers, c'était en lien avec la crainte qu'on savait des gens. Parce que quand les gens nous appelaient, on n'a pas besoin de faire de sondage, surtout qu'il y avait un peu plus que 15 personnes, ou même des fois à 14, 12, les gens nous appelaient pour nous parler de distanciation. Fait qu'on... Mais on suit avec nos sondages justement cette question-là là, des éléments qui peuvent créer de la crainte chez les clients. Un élément qui est ressorti aussi, c'est l'accès à des paiements mobiles. Les gens veulent de moins en moins toucher à quelque chose quand ils rentrent dans l'autobus. Merci beaucoup. Et une dernière question pour Marie-Hélène, mais je vous invite un peu tous à vous prononcer là, parce que c'est quand même un peu plus une piste de réflexion, mais on a parlé beaucoup là, de ces mesures d'adaptation qui ont été mises en place en mode réaction, si on veut. On a dû répondre à cette crise. Est-ce que maintenant qu'on voit là, de plus en plus, et comme le disait M. Picard, on fait de la planification sur 6, 12, 18 mois, est-ce que tu penses, Marie-Hélène, que ces mesures-là vont devoir être permanentes? Est-ce que vous avez un plan, en fait, sur une réflexion sur le fait que ces mesures vont peut-être devenir la norme pour quelques années potentiellement? Et si oui, est-ce que ça viendra influencer ou de quelle manière ça viendra influencer la planification des achats et des opérations? D'entrée de jeu, je vais dire que la planification des achats, à ce moment-là, j'étais heureuse de faire partie d'un groupe dont le siège était en France parce que la crise, on l'a vu venir à l'avance. Alors, les achats, on les a faits au moins un mois à l'avance. Donc, ça nous a permis de ne pas être pris dans un engrenage difficile. Mais aujourd'hui, en cours de route, on a eu du mal à se réapprovisionner en différents produits. Vous savez, dans 80% des opérations qu'on opère sont sous contrat par nos donneurs d'ordre, dont EXO. Donc, pour nous, on travaille avec eux par rapport aux mesures qu'on doit prendre dans nos autobus. Alors, il y a beaucoup de la réponse que je vais donner qui n'est pas l'opinion Transdev, mais qui est une opinion qui doit être partagée également avec la personne qui donne le contrat qu'on opère. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui vont être négociées ensemble. Définitivement, dans les prochains mois, je ne les vois pas disparaître, mais c'est certain que ça va prendre un consensus là, pour travailler en équipe, mais à court terme ni à moyen terme, je ne vois pas, par exemple, la désinfection des véhicules arrêtés. Ça, définitivement pas. D'un point de vue de la protection de nos conducteurs, nous, on applique les règles de santé et sécurité au travail, là, le guide de CNESST. On a été audité également par la CNESST sur l'ensemble de nos sites. Donc, ces mesures-là, d'après moi, sont là pour rester. Les mesures de désinfection, soit les machines où on a le liquide disponible pour nos employés avec l'affichage, la distanciation. Je ne vois pas que ces mesures-là que nous, on a prises comme employeurs disparaissent à moyen terme. Ce qui nécessite discussion avec nos clients, ça, je ne suis pas la seule à avoir un mot sur ces discussions-là. Mais sur ce qui nous concerne comme employeurs, je ne vois pas ça quitter nos opérations durant l'année 2021. Et sur l'interurbain, là où on a mainmise complète sur les opérations, je ne vois pas pour l'instant, avant définitivement la fin 2021, l'arrêt de toute désinfection ou toutes les mesures qu'on pourrait prendre. La confiance qu'on doit regagner ne se fera pas en claquant des doigts. Les gens doivent reprendre confiance à se déplacer. Donc, je pense que ça va prendre du temps et qu'il faut respecter ce temps-là que les gens ont besoin pour apprivoiser cette nouvelle réalité-là qui, d'après moi, va non seulement toucher les transports, mais partout, là où on a à se déplacer, quand on fait notre épicerie ou ailleurs, je ne vois pas la journée où on ne garderait pas des bonnes pratiques comme garder nos distances ou peut-être garder un sens de circulation pour protéger les gens. Pas des mauvaises pratiques non plus. Merci beaucoup. Oui, une question. Oui, allez-y. Est-ce que l'utilisation des GIS permet de diminuer la fréquence des nettoyages? Ou si les nettoyages sont toujours quotidiens? Les nettoyages se font quand même au quotidien, en plus de l'application Aegis. Puis il n'y a aucun impact là, sur l'efficacité du produit avec le nettoyage qui est fait. Okay.
Merci beaucoup. Merci à tous nos conférenciers. Merci à tous nos participants. On a même dépassé le temps, là, donc je pense que c'est vraiment une réussite. C'était vraiment du contenu intéressant. On est très content de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. J'invite maintenant les participants aussi à s'inscrire à notre prochain webinaire qui aura lieu le mercredi 17 juin prochain de 11h à midi. Sur l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, c'est organisé en collaboration avec Montréal International et la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, merci encore à nos conférenciers, merci aux participants et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci.